je pense qu'aujourd'hui, l'e-sport, c'est un des meilleurs moyens de toucher les jeunes, que ce soit en Belgique ou que ce soit au niveau mondial. Et donc, ça représente vraiment un chiffre énorme. Ici, on parlait d'un million de personnes touchées, 2 millions, on espère doubler ça. Mais je pense qu'on est tous un peu gamers à sa manière et que donc, on va tous être un peu touchés par cette initiative. Déjà, il y a évidemment une connaissance des équipes en lice. Encore une fois, comme dans le sport traditionnel, il y a des transferts, il y a un mercato, il y a des joueurs stars hein, qu'on suit de club en club. Donc, il y a déjà tout cet aspect-là qu'on doit suivre. Et puis après, il y a tout l'aspect plus technique avec les mises à jour, les changements sur le jeu qui vont apporter telle ou telle modification dans la manière de jouer. Et donc voilà, on doit se tenir au courant de ces choses-là pour rester au courant. L'e-sport en Belgique, il est présent et d'ici quelques années, je pense que ça deviendra le sport incontournable. Het heeft heel lang geduurd, maar toch, uiteindelijk zijn we er toch gekomen en is het leuk om te zien dat Proximus de stap waagt en het op een juiste manier, op een goede manier aanpakt om te kijken wat kunnen we met die hele e-sportswereld en ik ben ervan overtuigd dat het heel wat gaat zijn. Pour moi, c'est un sport à part entière, oui. Je ne dirais pas que c'est un sport vraiment physique, mais c'est un sport mental. C'est vraiment un sport, franchement, qui est très, très compliqué. On ne se rend pas compte quand on le voit, mais c'est un sport qui est, pour moi, un des plus compliqués que j'ai fait dans ma vie. C'est une passion, ça, c'est clair. C'est la première chose. C'est tout ce qu'on fait, on ne l'a jamais fait que par passion. On le fait que pour ça. Je ne pense pas que binnen 5 ans, dat e-sport gaat verdwijnen, het zal alleen maar een belang ingewonnen hebben en het zal op alle tv-stations wel, zal er wel iets mee gebeuren. En dan is het goed om te zien dat Proximus eigenlijk als eerste die stap waagt om te zeggen van kijk, wij geloven erin, nu jullie nog.